Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous partage un plat très facile et rapide à faire, un sauté de vermicelle de soja au poulet. Pour deux personnes, il vous faudra 200 g de blanc de poulet, 100 g de vermicelle de soja, 2 cuillères à soupe de sauce de soja claire, 1 cuillère à soupe de sauce de soja foncée, 2 cuillères à soupe de sauce d'huître, 150 g de pousse de soja, un petit poivron rouge, une petite carotte, un oignon, deux cives, deux gousses d'ail, une cuillère à café de fécule de maïs, 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol, du sel et du poivre. Pour commencer, trempez les vermicelles de soja pendant une demi-heure dans de l'eau froide. Puis émincez finement le blanc de poulet. Mettez les morceaux dans un petit saladier avec une cuillère à soupe de sauce d'huître, une cuillère à soupe de sauce de soja claire, une cuillère à café de fécule de maïs, une cuillère à soupe d'huile de tournesol, une pincée de poivre, pincée de sel et on mélange le tout et on laisse mariner le temps de préparer les autres ingrédients. Coupez le poivron rouge en lamelles comme ceci. La carotte, l'oignon, émincer la cive. Hacher l'ail, dans un petit bol, mettez une cuillère à soupe de sauce d'huître, une cuillère à soupe de sauce de soja claire, une cuillère à soupe de sauce de soja foncée, mélangez le tout. Après avoir égoutté les vermicelles de soja, faites un ou deux coups de ciseau, comme ceci. Dans une poêle à feu fort, versez une cuillère à soupe d'huile de tournesol. Attendez que l'huile chauffe. Mettez l'ail. Remuez 8 secondes. Versez les morceaux de poulet, étalez les morceaux, attendez 20 secondes, puis retournez les morceaux de poulet pendant 20 secondes encore, remuez. Ajoutez les carottes, l'oignon, les poivrons. Remuez de temps en temps pendant une minute. Puis ajoutez les vermicelles de soja, la sauce. Et remuez de temps en temps pendant 3-4 minutes. Au bout de 3 minutes, ajoutez le soja, la cive
pincée de poivre. Et remuez une minute. Et les derniers sels de soja sauté au poulet est prêt. Servez les vermicelles de soja sauté au poulet avec un riz parfumé thaï, un peu de sauce piquante Bon appétit!